Ma grosse, j'ai gâté son foyer. Tu as fait comment? J'ai mis de la poudre noire devant sa chambre et qu'elle a marché dedans. Le lendemain, le jeune est parti demander sa mère à mes parents. Elle a refusé. C'est ça? Oui, papa. Maintenant, on veut savoir pourquoi tu as dit non. Je ne sais pas. À ma grosse, j'ai gâté son foyer. J'ai gâté son école. Comment tu appelles? Son foyer. Dans le monde de la sorcellerie, je couche avec elle. Et Comment? pour ne pas qu'elle ait à avoir d'enfant. Et puis, ici, elle versait de la poudre noire sur elle. Le jour qu'on voulait venir demander ça, mais elle a refusé de marier le jeune. J'ai versé de la poudre noire devant sa chambre. Vous connaissez la fille en question, monsieur? Elle C'est est là, ma elle est grosse. là. Allez, on peut la rentrer. Les aveux, là, c'est pas pour faire parler, hein. Voilà, c'est pas pour faire parler, c'est pas beaucoup de points. C'est pour juste prier pour toi. Hein, et voilà, m'écouter, aussi prier pour toi, pour que Dieu aussi te délivre. D'accord? Elle est là, et comment tu as fait? C'est elle, non? C'est ça? Oui, papa. Voilà, tu as fait comment? J'ai mis de la poudre noire devant sa chambre et qu'elle a marché dedans. Le lendemain, le jeune est parti demander sa mère à mes parents. Elle a refusé. C'est ça? Oui, papa. Elle voulait t'épouser? Oui, papa. Il a eu comme ça, il voulait t'épouser, c'est ça? Au départ, vous êtes tombés d'accord. Lui, il s'est arrangé pour maintenant, il venait prendre la dot, payer la dot. Maintenant, on veut savoir pourquoi tu as dit non. Il t'énervait, il est devenu vilain, il est. Comment tu l'as trouvé? Tu l'as trouvé Il vilain? m'énerve vraiment. Tout ce qu'il me dit, Hein? ça m'énerve. Ça t'énerve. Tout ce qu'il dit, ça t'énerve. Comment tu appelles ça? Tu appelles ami, c'est ça? papa. Quand il dit ami, tu fais toujours Je l'insulte. vilain. T'as dit, t'as donné pour moi, regarde, là, il est pour moi. Alors, vous êtes au courant de l'histoire, papa, le papa. Vous êtes au courant de l'histoire? Oui, prophète. Oui, le gars est pris rendez-vous, c'est ça, avec vous. Le Justement. temps serait concerné. Et après, vous-même, vous étiez surpris de voir que votre fille ne voulait plus. Très, très, très surpris. Il a négocié beaucoup, mais avec D'accord. leur mère, elle n'arrivait même pas à comprendre. Et même jusqu'à aujourd'hui. Et vous aussi, dès qu'aujourd'hui. Vraiment, je suis très découragé, mais bon. Si elle est délivrée, je la garde comme fille. Ah, la fille, quoi, en question, c'est les délivrés? Oui, père. Non, elle sera délivrée, ce n'est pas de sa faute. Vous avez vu qu'elle était initiée, non? Déjà, à partir de ça, on comprend que ce n'est pas elle qui allait faire allait acheter la sorcellerie. Oui. C'est sur cette base-là, non? Quand on écoute les sorciers, on n'est pas trop sévère et avec eux. Parce que c'est vrai, même si eux, si c'est eux qui ont. C'est vrai que ce n'est pas eux, le diable passe pour faire des dégâts. Mais il y a initiation et l'esprit les pousse à faire des conneries. Voilà, sur cette base-là, on peut pardonner et puis l'aider. Donc, je remercie, vous remercie pour l'initiative déjà. Le fait même que vous êtes venu avec elle, c'est un symbole d'amour. Parce que ce n'est pas tout le monde qui apprend hein, qu'une personne est sorcière et puis cherche à communiquer avec elle. Donc, elle sera délivrée et vous allez retrouver votre fille, une très, très, très belle fille. Vous avez des très belles filles. Merci. Dieu va vous donner des bons gendres afin que vous soyez aussi heureux. Mon souhait, c'est que les choses prennent fin à partir d'aujourd'hui et que la famille soit calmement restaurée. Donc, le monsieur, il est parti, c'est ça? Oui, papa. Tu as donné Boumé aux gens, hein? Boumé, c'est ça, là. Ça y est, où tu t'apprêtes, tu dis qu'il y a gagné femme. Paf! On dit ta maman a demandé pardon, tu as dit non, il s'est remarié. Non, pas là. Tu sais, tu n'as plus cherché à comprendre. On ne parle pas, même. Il t'envoie des critiques. On ne parle Mais pas. tu l'as bloqué ou bien? Je ne l'ai pas bloqué. Il ne m'écrit pas, je ne l'écris pas, on ne parle pas. Il dit pour plus elle écrit. Non, il a raison. Goumen, de ça là. Moi-même, si c'est moi-même, là, il te bloque déjà.
Non, je joue pas le cœur, on joue pas ça. Mais tu finis par comprendre aujourd'hui que c'est mystique. Voilà. On prie Dieu, que Dieu même te donne encore quelqu'un d'autre de bien. Je pense qu'à partir de là, on a compris. T'as vu, tu as vu un peu ce que tu as fait, la sorcellerie. Oui, papa. Demande pardon ta soeur. Elle a fait quoi? Elle a pris son caca pour me pomader. Pour que les garçons ne puissent pas t'approcher de toi. Alors, viens vers ton père ici. Papa, tu t'en donnes ça, il t'a pas mangé ton pied, ça. Je te parle.